Est-ce que je peux te donner un conseil? Essaye Activia chaque jour et à l'aide de cette caméra, raconte-nous comment ça se passe. Avec sa culture Acti Regularis, Activia aide à améliorer le confort digestif. Comme ça, tu te sens bien dans ta peau. Faites-vous aussi le test Activia. Essayez sans tarder le nouveau pack de tests Activia. 4 délicieuses variétés dans un seul emballage. Votre soirée avec les assurances vie de la Mobilière. Une solution pour chaque étape de votre vie. Ce soir sur TSR1. 36.9 examine le coma et le stress. Comment savoir si on est victime de stress et comment le gérer? C'est un bon point de départ. Les NCIS échappent de peu à une embuscade. Ça vous plaît, n'est-ce pas? Vous n'étiez pas un soldat d'élite avant? Si, mais on avait des parachutes. Protection rapprochée, voyage à la source. On a 3 minutes. Et les as du braquage n'ont toujours pas cambriolé Mick Jagger. Il va falloir que tu le fasses sans moi. Oh, non, non. Et sur TSR2, au cœur du sport. Une femme, ça se partage pas, d'accord, mais une cuisine, il y a la place pour deux, non? Mince, j'ai même plus le droit de faire une omelette à l'huile. Bourville et Fernandel cuisinent au beurre. Ouais. Oh. Savez-vous l'affreuse réputation que l'on me fait? Oui, et il m'a déjà mise en garde. Et Glenn Close joue et perd dans Les Liaisons Dangereuses. Bonne soirée sur la TSR. Amplifon, les experts de l'audition près de chez vous. Bonjour mesdames, messieurs, soyez les bienvenus et merci de votre attention. Voici les titres de ce 8 février. Le froid qui continue de sévir en Suisse et en Europe. Le bilan énergétique est déjà lourd. Le bilan humain également. En Italie, au moins 40 personnes ont perdu la vie dans la péninsule mal préparée à des températures extrêmes. De nombreuses voix dénoncent le manque d'organisation et de réactivité des autorités. Reportage. En Suisse, le bilan des douanes romandes, l'année 2011, s'est traduite par un nombre accru de saisies et d'arrestations aussi bien aux frontières terrestres qu'à l'aéroport et quelques prises exceptionnelles, par exemple ces milliers de cartouches de cigarettes ou encore ces téléphones falsifiés en provenance de Chine. L'explosion des ventes de voitures en Suisse en raison de la baisse de l'euro. Plus de 300 000 véhicules ont été vendus rien que l'an dernier, soit une augmentation de 11%, avec un total de près de 5,5 millions de voitures en Suisse. Le nombre de bouchons a lui aussi littéralement explosé. Et dans ce journal, vous verrez comment Federer et Wawrinka se préparent au premier round en Coupe Davis. Ils auront peut-être l'occasion d'écrire une nouvelle page de l'histoire du tennis helvétique. L'aventure commence vendredi au Forum Fribourg face aux États-Unis. Et notre invité est André Pignat, le directeur des Scènes Valaisannes. La 9e édition du festival bat son plein. 23 théâtres y participent dans un effort collectif pour faire découvrir les artistes et la créativité du canton par-delà ses frontières. Une formidable énergie est pour cela nécessaire, mais le jeu en vaut largement la chandelle. On en parle avec lui en fin de journal. Mais tout d'abord, ce rebondissement dans l'affaire Marc Muller. Le conseiller d'État Genevois et le barman du MAD, une boîte de nuit très connue à Genève, ont tous deux retiré leur plainte. Marc Muller a reconnu avoir agressé le barman dans la nuit de la Saint-Sylvestre et lui a présenté ses excuses. Avec nous, Jennifer Covaux, bonjour. Marc Muller devait être entendu demain par le procureur. Ce n'est pas étonnant que cet accord intervienne maintenant. Alors voilà, la reconnaissance de ses actes, et les termes sont importants, des excuses et puis aussi de l'argent. Oui, le conseiller d'État, Marc Muller, a présenté ses excuses aujourd'hui. Contrairement à sa première version des faits dans laquelle il parlait d'une empoignade virile avec le barman, il dit aujourd'hui, je cite, avoir unilatéralement fondu sur le barman et s'être laissé aller à un excès de colère. Alors ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'au fond,